dans le bloc majoritaire, dans le bloc minoritaire. Là. Et l'ENTI bloc majoritaire, là, nous, ouais, que, ou même temps, ancien député Abel de Colline, Jean-Michel Baptiste, en même temps, tout, dans le bloc minoritaire, là, nous, ouais, ou même temps, M. André Michel, Sougal Jacinthe, Major Michel, et Edmond Supplice Bozil, mais gros division dans mitan équipe ça, qui jusqu'à présent va tomber d'accord pour qu'on ait, est-ce que avoué, qui est-ce avoué, qui est-ce à mettre, qui est-ce à faire ci, qui est-ce à faire ça. Mais n'apprendre selon le métronome, mais CARICOM décidé pour quitter deux places vacantes, a dit deux places vides, deux places libres toujours, après que l'équipe Aqua 21 décembre, nan, pour que j'aime qu'à transférer non qui a voué comme représentant. Et que parti décide et Dessalines qui lui-même décliné, puisque comme s'il était mette non pour le voyer de moun, nous connaissons que petit Dessalines, yon même yon pas dans baye comme ça, yon même yon pas dans question conseil 7 membres, 9 membres, yon même yon conseil 3 membres qui te clairement déjà te dit, et na déclaration 5 mars nan, qui c'est Guy Philippe Ladonne, qui c'est juge Durin Durin Junior, et qui c'est docteur François Saint-Vivillier, et c'est là yon même yon te yé. Mais ça qui fait que je dis, hein, petit Dessalines, li dans la question ça, elle décline, Kounia CARICOM parle de un conseil presque avec 5 moun, 5 non moun, que ça se gagne déjà, et puis 2 observateurs. Tout ça, yo, c'est deux bagages pour montrer que mes amis, j'aime toujours dire là, c'est pas cause des pays qui a réglé, c'est affaires intérêts qui a réglé, affaires et appartenance politique, affaires tiba et clan qui a réglé, mais affaires question et situation. Moun qui t'a pris gaz dans la rien, moun qui t'a manifesté dans la rien, a jamais sa qui mouri yo, pas de jamais gagne question ça comme si nan moun que nous. En tout cas, so j'aime toujours dire nous ça, conseil présidentiel ça, qui prend le monter là, peuple haïtien, monsieur Ariel Henry te dit nous, ha, calé genou. M'a prêté Timo Salaka Ariel Henry pour me dire que nous calé genou parce que je dis en là, c'est pas conseil peuple haïtien, c'est pas conseil moun la Salinio, c'est pas conseil moun Kafoufe yo, c'est pas conseil moun Savien yo, mais c'est conseil ou ensemble de escriti politique, c'est conseil ou ensemble de appartenance, c'est conseil ou ensemble de clics, ou ensemble de sous-hommes, ou ensemble de conseil, ou ensemble de apatrides parce que CARICOM avec international a tout dit clairement que, mais qui des conditions tout imposé. Ou bagay doit jamais condamner, ou bagay doit gagner, ou bagay doit gagner sanction sous kotou, ou bagay doit gagner leader aller dans l'élection, ou pas gagner droit et imposer, mais pas d'accord avec Rive Miss 69. Donc, il y a toujours ce qui est bon petit choule, ce qui est bon petit resta avec quelqu'un là, qui va aller dans le conseil ça. Nous allons regarder ça aujourd'hui, hein, avec, bon, annoncer ça d'abord, mais je vais permettre des îles même capable de venir avec mon parlant. Mais évitez ça, lycée et Jean-Pierre Alcindor. Jean-Pierre Alcindor, c'est un citoyen engagé, on dit bien, c'est un citoyen engagé dans le pays, un citoyen engagé dans une cause pour Nouvelle Haïti. C'est avec lui qu'on parler, mais avant même que nous recevions, des Ivenes, comment on a guié, et sortez beaucoup de pauvres, parce que nous allons parler cause pays. La situation, nous continuerons de faire au poste dans la bataille qui permet au moins que les amis internautes cap gardent, cap tendent, qui sont haïtiens, qui sont dans différentes régions à travers le pays, qui sont dans la diaspora ou bien qui vivent dans le pays, pour comprendre une situation qui existe aujourd'hui dans le pays, l'immérité et le nécessaire pour chaque bail appui avec ce support qui permet que ça change. Pour ça, nous étions déjà bon côté, bien que pas de santé. Dépression, stress envahit chaque grain haïtien, quel dans d'un pays, quel de pays, parce que le tableau qu'a dessiné là, l'hypothèse en pile, inquiétude, Blaise Peterson. Violence, nec à Xamio, à travers vivre ensemble, l'hypothèse en pile, inquiétude, surtout avec fonctionnement l'hôpital, qui déjà a beau raté, oxygène, qu'on connaît, c'est une bagaille qui est pratiquement indispensable à la vie, c'est tout le monde qui malade, qui besoin, et ensemble, des matériels, ça, on est dans l'hôpital. C'est des situations qui paraissent très graves. Principal centre dialyse, on est dans le pays. Trouver Mounio dans une grosse situation difficile à cause de violence, net examio, majorité Mounio, c'est couru, et après, pour y avoir ce cap couru qui était payé, à cause de situation à 24 fois plus difficile, les gens connaissent le avant, mais t'es qu'on y a gagné un gouvernement démissionnaire, et là, t'es un gouvernement qui était en fonction, malheureusement, il n'y a pas de première disposition qui cap permettre que l'hôpital y ait un ensemble des intrants qui étaient disponibles, même que t'as gagné des problèmes, même que t'as gagné, t'as fini de raté sur le marché, ou même que t'as gagné qui stocké. Okay? Par exemple, dans le pays d'Haïti, imaginez la situation que le pays a plongé. UNICEF, l'inspiration des amis internautes, a annoncé qu'il y a plus passé 3 millions de personnes en Haïti qui trouvaient dans une situation très difficile, dans la crise alimentaire par rapport avec l'insécurité qui a plongé là, je veux dire, l'inspiration qui rend la situation 4 fois plus difficile pour la vie moun, et spécialement si moun yo. Les États-Unis, la République dominicaine, ils ont pas suspendu, évacué ensemble de monde qui ont gagné. Qui en dedans pays, soit à travers consulat, à travers ambassade, c'est hélicoptère qui a botté moun, par bonne, par paquet, qui pote en pile inquiétude. Pendant toute journée, vous avez remarqué,
Les hélicoptères qui dans l'air métropolitaine cap descendre, cap embarquer moun pour quitter le pays d'Haïti, ça lui permet que ce monde qui vit dans la capitale pays, il y a posé tête yo go question les situations à qui ça ça va passer dans le pays les wè moun surtout nèg qui dans le secteur des affaires économiques pays yo y a couri quitter li tout annoncer qu'on bagarre grave qui cap passer dans jour qui a venir moun nan wana met manifester les personnes avec pancarte en main photo Guy Philippe yo réclamé Guy Philippe dans conseil présidentiel transition qui cap bien dans pays a yo dit pas connait l'autre monde c'est Guy Philippe qui connaît. Yo tiré en pile parole puis mon bouc à l'encontre des CARICOM, à l'encontre de département d'État qui a imposé yo qui est qui t'a doué bien diriger pays avec qui statut que mon soit t'a doué gagner blessé personne. C'est ensemble que nous regarder dans l'émission et sans doute nous gain yon invité ta comme tout temps dire. Yon invité chevronné, yon invité qui qualifié de map qui va venir analyser situation crise que pays d'Haïti a connait et ingérence totale que communauté internationale là a fait dans crise grand dans pays à blessé personne pendant nous était chapeau pour nous saluer tout le monde à la ronde bade quel que soit côté retrouvé ou à travers le monde dépoussé haïtien ou bien quelle que soit nation que vous avez, vous regardez mais cette nouvelle blessé info point nouvelle nous saluons nous merci pour fidélité ou sous pas quoi abonner pressez faire ça sous fait tomber sur channel blessé personne. Jean-Pierre Sindor, comment on est guié? Comme j'en dit dans la mise en contexte, on est un citoyen engagé pour Nouvelle Haïti. Comment on est guié, monsieur Sindor? Mon cher Blaise et Peterson et Venez Désir, me saluez nous, ma femme. Ma femme, pendant ma parlé à Ven là, et ma tende tout et nous couvrir. Conjoncture là, nous couvrir actualité là, et tout problème pays d'Haïti a passé. Mais il y a beaucoup plus, oui. Si nous avons abonné numéré, nous avons fini après-midi. Mais grâce à Dieu, Blaise Peterson, nous en forme, nous avons plus bien si le pays a de plus bien. Mais physiquement, nous bien. Vous comprenez? Voici. En nous regardant la première question, et M. Alcindor, en j'en dis clairement, je dis à qui lecture fait de ce qui a passé en d'un pays, situation qui a passé en d'un pays, dans différentes dimensions, crise que l'il y a. Parce que pas oublier, nous faisons face avec une crise sociopolitique, économique. Et d'abord, si nous regardons sur le plan et social, économique et politique, après, qui ça va dire d'abord ce que crise dans quelle dimension fait lecture de lui-même? Et pour ce point ça, yo. Tout d'abord, on va dire ce qui est très important, Blaise, avant que je rentre la crise là, et ça, il rentre là dans le tout, c'est qu'on a parlé de l'insécurité alimentaire là. Il y a plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Si on dit ça à l'on pays, so tout le monde comprend ça, me l'ai dit. Son bagage que moi vis chaque jour, moi vis chaque jour, et je juge que faut que mon bagage qui fait. Il faut créer une nouvelle Haïti. Maintenant, en ce qui a trait à la crise, dernièrement, tout le monde a suivi qu'il y a des réunions qui se tiennent au niveau de la CARICOM en Jamaïque et pour aider les Haïtiens, pour qu'ils servir comme un habit entre Haïtiens, pour qu'ils puissent mettre en nouvelle gouvernance en Haïti. L'idée n'est pas mauvaise quand vous voulez aider, l'idée n'est pas mauvaise du tout. Moi-même 100% campé DL pour vous aider. L'homme dit aider, m'a pas mandé pour vous venir faire ingérence dans les choses haïtiennes. En pile, mon a critiqué CARICOM pour le fait que vous arrogez le droit pour vous venir rentrer dans les affaires haïtiennes pour vous faire vous-même cap dit qui est-ce qui pour ceci, qui est-ce qui pour cela. Ces décisions-là, sont prises par des Haïtiens. C'est ça, c'est Haïtiens qui mettent toutes conditions. C'est eux-mêmes qui baillent information by CARICOM qui dit bon, écoutez, voici les structures politiques les plus fortes de ce pays, les organisations sociopolitiques les plus fortes. So, CARICOM wayo comme des mondes qui censés, des mondes qui sont responsables. C'est comme ça CARICOM wayo. Moi-même, je n'ai pas le droit de dire que ces gens ne sont pas responsables. Mais, pas ouais raison pour y avoir CARICOM des informations qui censé pas cadrer. Cela veut dire dès le début ça qu'a fait là il gon force côté. Et m'ta souhaité que c'est en Haïti que bagaille ça a fait au lieu que là le fait dans l'autre pays. Même comprendre pour qui ça le pas fait en Haïti oui. M'ka comprendre ça et pour des raisons géopolitiques, n'est-ce pas vrai? Haïti étant dans la Caraïbe et nous faisons partie de la communauté caribéenne appelée communément CARICOM. Alors, c'est normal parce que si nous avons un problème là, caille nous, et c'est faute nous haïtiens qui fait un problème, non? Qui fait que CARICOM vini en arbitre, en père de famille, qui vient mettre l'ordre dans la famille haïtienne. Maintenant,
La famille haïtienne, c'est une famille divisée, ça fait belle lurette. Belle lurette, grand pile monde qui te doué prendre des positions politiques publiques pour nous déranger ça. Nous quitter temps passé. Depuis la mort du président Jovenel Moïse, un gouvernement a été, en quelque sorte, institué en Haïti, dirigé par le docteur Ariel Henry. Et c'est pas moi qui le dis, mais tout le monde, le monde entier constatait que rien n'a été fait en Haïti pendant ces 32 mois et plus de la gouvernance de Dr. Ariel Henry. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le système. Le régime d'Ariel Henry qui sorti en dans système de gouvernance là, régime là, pas de bon. Ce qui veut dire que système n'a pas de bon parce que c'est dans système dans régime n'a sorti. Même des messages clairs, il y a un monde qui confond régime et système, c'est deux choses différentes. OK? L'ensemble ça, Dr. Ariel Henry pas remettre en lien avec son équipe au pouvoir, tout le monde le constate. C'est son pas cap dit que son bagage que m'a inventé, moi même pas mais parler pour parler, moi même parler pour me dire un bagage qui cap aider la cause. Qu'on y a là, nous vinn riper non point gain pile monde qui dit son point de non retour. Non, moi même son éternel optimisme, m'a jamais dit son point de non retour. Parce que Haïti est un pays. Et qu'est-ce qui se passe dans un pays? Ce sont des hommes et des femmes qui bougent. Le y a bougé, ça veut dire que y a fait pays, y a retiré pion, y a mette pion pour bagayo ka rendre la vie plus belle. Je l'ai toujours dit que la politique, c'est la passion du bien. Tu veux faire du bien, fais de la politique. Parce que son science qui permet tout, bien gérer cité. Et qui vit dans la cité, ce sont des hommes et des femmes avec tout l'autre bataclan que nous connaissons qui dans la vie de l'homme qui fait partie de lui, que l'en Haïti, que l'autre pays, mais du coup, à faire politique, c'est parce qu'on juge que, ou bon bagaille, qu'on cap fait pour rendre la vie moun vin pi bien, vin pi bon. Okay. Et c'est pas ça qui a passé en Haïti. Qu'on y a nous arrivé long point que, m'a tourné sous lit, n'a le poté problème yo, ou du moins, la communauté caribéenne, invitez-nous avec problème nous pour l'aider, pour l'essayer et d'en résoudre. Mais, m'pare, mais là, on a dit que CARICOM fait ceci, CARICOM cela. Il revient à nous autres de nous responsabiliser dans cette crise. C'est nous-mêmes qui t'es, premièrement, t'es mal géré situation pays, et puis qu'on y a arrivé dans situation côté que nous cap joué nos solutions, et puis c'est nous-mêmes tout cap poser des mauvais actes par rapport à position que CARICOM a joué. CARICOM lui-même, pensez que nous t'agen droit son l'autre petit pays dans Caraïbes là qui gon problème tout et puis nous même nous t'a là dans t'a trouvé dans la même situation. Mais ce sont les haïtiens qui ont fait tort au pays. C'est haïtiens qui rendent bagaille la vie dans point que lié. Gon l'autre bagaille qui très important pour nous souligner Blaise Peterson. Pendant que bagaille ça yo a fait là, pendant que y a fait là, on pensait gen monde qui t'a cap prendre conscience pour dire bon écoutez, voici la réalité politique. Voici ce que l'on peut faire pour arriver à une solution. Mais tout le monde, tant qu'on se dit aller là, et moi-même pas prêt à aller peut-être aussi loin qu'on aller, hein, mais ce sont des gens qui se comportent en reste avec. Des gens qui pensent que toutes les décisions que pour y prendre, ils sont obligés de passer par la communauté internationale. Alors que nous sommes un peuple souverain, nous sommes pays qui nous sommes maman liberté, nous font série de bagages dans l'histoire du monde. Mais nous révélons point que nous pas capable faire ça encore. C'est comme si m'pa dit nous pas capable faire ça encore non, c'est comme si nous pas capable faire ça encore. Parce que mounio capé qui au timon des affaires des hommes politiques de ce pays se sont comportés en reste avec comme tu viens de dire des gens qui attendent que le blanc lui dise fais à gauche fais à droite. En pile moun couri voyer lis non moun qui pou fait partie du conseil présidentiel. Présidentiel, un pile monde qui a envoyé liste, très bien. Bon, écoutez, c'est ça que vous faire, vous faites. Mais on connaît majorité monde qui voyait liste. C'est monde qui fait partie de l'ancien système qui est décrié. Et c'est bagay ça que sénateur Guy Philippe a dit depuis l'entrée dans le pays, il faut craser le système. Faut craser le système dans ce système n'est pas bon. Est-ce qu'on peut reconstruire un système avec les gens qui font qui faisait partie de ce même système.
est-ce que nous avons une chance pour régénérer le système là? Le système ne peut pas être régénéré. Parce que si nous avons fait comme ça, c'est la même suivi à terre. OK? Quand il arrive que ou ta kap di gon majorité parce que gen 7 moun ou bien 5 moun, gen 2 moun qui en discussion, on t'attendé comment dit-on, je répète qui t'ai gagné à l'intérieur de l'accord du 21 décembre, tout moun qui était là dans l'io, yo fait du groupe en groupe minoritaire, en groupe majoritaire, dedans des sénateurs grand dans tant que t'as parlé dernièrement, il dit non, il n'y a pas de groupe majoritaire, c'est décision pour ensemble. Mais écoutez, le jeune Georges Jean-Baptiste a eu à le traiter de menteur parce que gen de accord yo t'ai fin joine sous Vickerson Garnier, et puis yo même yo t'ai pas arrêté avec le vaillant Louis Jeune, ça crée un paquet de problèmes. OK. Qu'on y a là, qui ça pour fête? Qui ça pour ta fête? Moi, je ne suis pas pour cette histoire d'un exécutif ou bien d'un conseil présidentiel à 7 têtes. Ceci n'a jamais été. Ouais, ça t'est passé dans l'histoire, peut-être. Bon, je ne peux pas vous donner des informations spécifiques sur qui j'en ai fait, qui ça t'est fait, mais pour le temps présent, Haïti n'a pas besoin d'un conseil présidentiel de 7 membres ou bien de 9 membres ou quoi. Cela comporte ou du moins à un poids administratif très lourd. Ça va coûter beaucoup plus d'argent pour essayer de faire marcher ce conseil. Ça, c'est youn. Numéro 2, ou faire partie d'un conseil présidentiel, l'on pays qui pas côté bas, ou pas marché, faut qu'il y ait des monde qui ont assise populaire. Je pense que la popularité est beaucoup plus importante ce que le peuple réclame. Le peuple haïtien, tout le monde connaît qui sa peuple haïtien réclame. Il faut tenir compte de cela. Alors, comment ces gens-là ont menti ou du moins ont mésinformé et la communauté caribéenne? Yo pas peut-être souligné le fait que moun sa yo voyé qui pour aller là en conseil présidentiel yo pas gon assise populaire. Maintenant, je ne parle pas d'élection, peut-être que si yo ta dans élection, bagay ta paraît différent, mais tout le monde le sait, s'il y a des élections qui se tiennent aujourd'hui, c'est tout simplement c'est Guy Philippe qui va remporter les élections parce que ou pas besoin faire un sondage scientifique. À l'œil nu, on peut voir ce que le peuple réclame. Bon, ça va vous dire que il n'est pas capable de faire, mais 7 moun ou bien 9 moun qui pas gagné une vraie assise populaire, ce ne sont pas des gens que l'on va voter, ce sont des gens qui font partie de l'ancien système, pas mandé pour ta changer yo, mais c'est que pas capable dire pour ta changer, pas changer yo seulement, non, c'est que chemin nous prend pour exécutif à 7 têtes ça, pour un conseil présidentiel qui gagne 7 membres là-dedans, pas que baï ça pral mettre non ken côté. Il pas pral mener non ken côté parce que gen moun ki pral ki pa accepter ça, ki pa accepter parce que il pas fait sens, il pas fait bonne logique politique. Ce que nous sommes en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du saupoudrage politique. Saupoudrage là, son bagay ou déguisé à un bagay, mais on connaît que le pape kembe. Nous déjà connait ça. Il y aura des problèmes à l'intérieur de ce conseil présidentiel. Maintenant, pour nommer un premier ministre, ce sera un problème. Maintenant, pour former un conseil électoral provisoire, ce sera un autre problème. Et le conseil électoral provisoire, ce sera fait à l'image de ce conseil présidentiel, à savoir, bien de conditions y ont dépassé avec CARICOM. Les conditions, c'est quoi? Faut pas de jambes. Faut pas de jam arrêté, faut pas de jam condamné, faut pas de jam en prison. Et qui pisait, yo mandé moun yo pour yo mettre dernier bagay là pour yo dire que faut tout moun qui dans conseil présidentiel ça yo adhérer et pour yo pas pour yo quitter, pour yo adhérer, pour yo accepter que force multinationale rentre en Haïti. Alors que ce problème pouvait être résolu bien avant et jusqu'à présent n'a pas là à l'ICAB résolu sans l'intervention de forces étrangères sur le terrain. Ils le savent. Alors, ils ont préparé une loi électorale sur mesure pour empêcher que des gens qui jouissent d'une vraie popularité dans le pays, pour les empêcher à accéder au timon
des affaires de l'État. Voilà. Et bref, Desi Venès, on va avancer avec la question de Desi Venès, puisque là, M. Alcedo a essayé d'élaborer dans un point, mais ça va empêcher que nous-mêmes, nous venons avec des questions qui sont toujours liées à peut-être des informations, des réponses que l'État déjà bail déjà. On avance, Desi. Très bien. Dans l'élaboration, vous regardez le niveau d'ingérence quelque part qui gagne pour côté communauté CARICOM, c'est que vous avez un droit pour faire, parce que nous faisons partie des organisations ou bien des communautés. Mais je veux dire, est-ce que vous ne sentez pas que vous allez trop fort, vous allez trop loin, dans mettre des impositions directes? Vous avez dit, c'est la position qui a pris des Haïtiens qui fait partie de la communauté CARICOM, tout simplement, qui décide de dire vous-même qui côté vous allez. Et ça, il n'y a pas essayé d'autre regarder, ça a passé dans le pays, des groupes haïtiens qui chita, qui font une proposition, qui dit, mais qui côté vous voulez aller, et bon, il y a plusieurs propositions. Alors, il y a des groupes qui disent, vous allez dans le coup de cassation. Mais, il y a, c'est une déclaration ou bien pétition du 7 mars qui mettait une proposition côté au tout bail, un cartel ou bien un regroupement qui gagne trois monde là-dedans qui pour aller représenter pays en transition qui gagne Guy Philippe là-dedans. Bien des acteurs qui disent yo pas de problème avec proposition. OK? Yo pas de problème avec conseil là, mais yo regarder Guy Philippe, yo demander exclusion Guy Philippe là-dedans. Et département d'État, li clair à travers porte-parole yo, yo dit que Guy Philippe pas ta doit faire partie aucun conseil transition qui gagne pour prendre tête pays là. Comment comprendre ça, monsieur Alcedo? Bon, là, c'est un manque de respect pour notre cher Haïti. Et c'est la faute de nos dirigeants passés. Comment le département d'État peut-il s'arroger le droit de dire que il n'a pas supporté un conseil présidentiel qui gagne Guy Philippe là-dedans? Je ne pas comprendre. Ça revient à nous, Haïtiens, de décider de ça. C'est nous-mêmes Haïtiens qui décidons. C'est pas communauté internationale, qui poids politique de Philippe en Haïti? Quel est le poids politique de Ariel Henry? Ariel Henry, je crois que moi, qu'il est un imposteur. N'est-ce pas vrai? Il n'est pas doué, là, toujours pas doué. Alors, il a signé, par contre, il a signé une lettre d'intention de démission. Tant pis, le monde qui a dit que c'est démissionné, il démissionné, même pas, quoi ça, Ariel Henry, pas qu'on démissionné. L'annoncer que le pral démissionné. Mais, le commun des mortels haïtiens qui attendait ça, il a répété Charles. Donc, Guy Philippe Amabdi, Ariel Henry démissionné. Ariel Henry démissionné. Mais, ça, c'est une erreur. Ariel Henry n'a pas encore démissionné. Elle passe les conditions de sa démission. Il faut que le conseil présidentiel est installé, et puis un premier ministre. C'est pas même le conseil là, fin installé, non? C'est le premier ministre en fin choisi la première gouvernement que l'a dirigé. Et tout le monde t'entendait ça, t'a dit. Monsieur Alcedo, si vous avez une motion sur ça, vous dites là, c'est pour éclairer tes amis. Ça montre que Ariel Henry, puisque le connaît que d'abord, mettez capé conseil, ça a pris un laps de temps par rapport avec discussion dans les acteurs. Et là encore, ça veut dire pendant il y a prêt à ça, lui-même l'a passé parce que l'équipe a fait compte. Et même là encore, pour qu'elle mette le premier ministre encore, en consensus, ça parle pour un laps de temps encore. Ça veut dire Ariel Henry, et son qui risque capable de faire même un mois, deux mois, l'équipe a fait compte dans tes pays comme premier ministre. Et même, je vais te jouer à travers CARICOM, c'est jouer Ariel Henry. Songez déplacement communauté CARICOM dans en Haïti plusieurs fois. Je te négocie fort Ariel Henry, toujours fait partie du gouvernement. Exactement. En avance, monsieur Alcedo. Exactement. Et puis, dire que Ariel Henry est en quelque sorte est en train de, comment dit-on, liquider les affaires courantes. On liquide les affaires courantes après avoir démissionné. On peut signer sa lettre de démission que le pas effective immédiatement. Pas avant que y'a un remplacement pour vous, c'est le sa wap quitté, c'est le sa wap démissionné vraiment ou bralé. Mais ou cap démissionné, ou cap démissionnaire, et puis wap liquide les affaires courantes. Ariel Henry n'est pas démissionnaire. Il a exprimé des intentions qui ont un certain rapport avec la démission si nous fait tel ou tel ou tel bagaille. Alors, il y a des gens qui disent que, écoute, qu'on complot fait entre Ariel Henry et la communauté caribéenne, qui comprennent que M. Pral est démissionné, le que conseil présidentiel l'a installé, et le premier ministre l'a prêté serment au nouveau gouvernement country. Ben, combien de temps que Ariel Henry Pral fait en position ça? Et il a passé 2 mois, 3 mois, 4 mois, et qui sait? Il a même duré 1 an si les choses ne changent pas. Si les choses ne changent pas, et c'est maintenant ou jamais.
on ne peut pas accepter la proposition de la communauté caribéenne parce que moi-même, moi, suspecte que Ariel Henry et d'autres, pas qu'à dire international, peut-être monde qui est dans la communauté internationale là, ils comprennent ça qu'a fait là et ils supportent. Et son mauvais support que y a bay Haïti, pas Haïti a aidé, le accepté bagay yo fait gens y a fait là. Parce que yo connaît, yo gen formation pi bien passé ma veille de ça qui passe Haïti actuellement. OK? Et depuis longtemps, yo konn bagay ça. À l'époque quand les hommes armés, tu vois, faisaient la pluie et le beau temps, plus yo était à l'époque, il y a tout yo toujours fait, mais yo était konn fait de façon plus saillante. Il était compte fait et la pluie et le beau temps. Mais il y a longtemps bagay ça a fait. Pour qui raison pas de gangs que j'en fait. Yo connaît que il ne fallait pas laisser et piluler les gangs armés dans le pays. Yo était compte ça. Bon, yo quitte le rivé dans point ça et puis quand yo a bien parlé ta contre saupoudrage politique. Non, ceci ne doit pas passer, ceci ne va pas passer et tout haïtien doit lever camper pour empêcher que ça cap dessiner à l'horizon là pour pas arriver. Faut vous faire ça. Moi, par contre, l'autre position, mon, parce que moi, étant citoyen engagé et pour la cause de la nouvelle Haïti, pour la nouvelle Haïti, par contre, on rien en bagaille ça. Si nous devons l'autre Haïti, on doit commencer ça maintenant. Et qui a commencé cette révolution, c'est Guy Philippe. D'après l'autre monde qui a pris crédit pour ça, non, c'est Guy Philippe. Si au cours de route, Guy Philippe vient jouer une aide. L'en met d'autres haïtiens conscients que li armé ou que li pas armé li ouè que ça Guy Philippe a fait al ka bon pour Haïti la supportèl et Guy Philippe a beaucoup plus de support qu'il en avait que bien avant que l'elle fait crever ici en fin mois de novembre là l'elle fait contre Haïti et tout le monde connaît qui ça le fait marcher parler à tout pays a il dit mais ça le fait et le peuple a acheté le discours de Guy Philippe le peuple a acheté discours. Et yo répété li, yo connaît ses seules portes de sol si yo, c'est seul espoir que